Salutations à vos familles, en espérant que vous vous portez bien. En tout cas, ça va. Moi, c'est Vima Wété. Très content de vous savoir nombreux sur cette chaîne. Nous sommes maintenant à 1140 abonnés. Grande est ma joie de vous savoir de la partie. Vous tomberez sur cette vidéo pour la première fois à travers cette vidéo, la chaîne, bien évidemment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez-moi vos commentaires. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des quelques documents à remplir pour déposer et avoir le VNG. Le VNG, c'est un document qui est un tout petit peu différent du RVP. C'est la carte de séjour permanente. Donc, c'est cette carte de séjour qui permettra aux migrants, on va dire, de se mouvoir ici de la plus belle manière possible et donnera beaucoup plus de zèle à ceux-là qui sont beaucoup plus ambitieux de mieux évoluer ici en Russie. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un document qui intervient juste après le RVP. Pour ceux-là qui se sont mariés, qui veulent impérativement avoir le RVP, il y a une vidéo sur ma chaîne qui en parle. Quelques documents à réunir pour l'obtention de la carte de séjour, bien sûr, temporaire. Le RVP, allez dessus, cliquez et puis vous serez servi carrément. Sans plus tarder, nous allons passer rapidement aux documents que vous devriez réunir pour le VNG. Le premier document, moi je vous le dis d'emblée, c'est votre passeport d'abord. Votre passeport doit être à jour, doit être valide. Dans votre passeport sera apposé le RVP. Pour ceux qui ont déjà le RVP, ils savent ce que moi je vais impérativement dire par là. Donc voilà, la première des choses, c'est d'avoir votre passeport, on va dire, valide. La seconde chose, vous allez remplir le Zaevlenie. Le Zaevlenie, c'est un exemplaire de deux carrément pages renseignant votre identité, vos coordonnées et puis, on va dire, votre parcours, en fait, votre parcours. Hormis ça, vous aurez besoin de votre RVP, bien sûr, bien évidemment, dans votre passeport, bien évidemment, vous aurez besoin de 4 photos. Passeport, vous aurez besoin 35, donc 3 sur 4 carrément, 4 photos passeport normal. Vous aurez besoin d'un certificat médical, en fait, pour renseigner sur l'état de votre santé. Quelques examens dont je parlais dans la vidéo du RVP, ça se retrouve également pour le VNG. Ne vous inquiétez pas, le certificat, c'est pareil. On vous enverra dans une clinique, soit dans un centre médical et vous aurez à le faire avec une rapidité, je vais dire, normale, quoi. Et ce sera bon pour vous. Une fois que vous aurez cette attestation médicale, ces certificats médicaux, en ce moment-là, vous allez poursuivre avec un certificat de langue, bien sûr. Ceux-là qui se marient, moi je conseille, hein, et il y a certaines personnes qui l'ont déjà compris, ceux-là qui se marient, qui veulent impérativement, on va dire, suivre les étapes normales, ils doivent impérativement passer les examens dans un centre, on va dire, d'apprentissage de russe et asiatique. On les délivre, on va dire, moyennant 5 000, 7 000 roubles. Cela dépend d'un centre à un autre. Et la durée pour avoir le certificat normal du RVP, soit du VNG, ça dure généralement une semaine à 2 semaines carrément. Cela dépend, en fait. Mais une fois que vous aurez ça, pour le VNG, à savoir, le certificat du VNG peut couvrir, on va dire, et le RVP et ensuite le VNG. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour ceux qui se sont mariés récemment de passer une fois, on va dire, pour faire le certificat du VNG et pour déposer, on va dire, d'abord le RVP, ensuite le VNG. Pour revenir au document, vous aurez besoin d'une quittance, bien évidemment, pour payer le gososlug pour le dépôt de votre document, au fait. Et par la suite, avoir une adresse correcte, carrément. Avoir une adresse correcte, c'est-à-dire là où vous vivez, vous devriez être enregistré, puisque il interviendra, on va dire, un contrôle des routines, hein. Demander à toute la police, bien sûr, en connivence avec la migration, saura un peu comment faire pour vous localiser, pour savoir si réellement l'adresse que vous avez indiquée est la vôtre et que vous y résidez réellement. Donc, c'est par rapport, on va dire, à ces quelques documents-là qu'il faudra réunir et déposer pour avoir
on va dire simplement le VNG. En fait, ne vous leurrez pas, ne vous leurrez pas. Le document pour le VNG, c'est aussi simple que ça. Ce qui complique un tout petit peu, c'est pour le RVP. Et je pense que de ces côtés-là, tout a été très bien expliqué. Vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, surtout pas de me laisser dans le commentaire. Moi, j'attendrai ces derniers, on va dire, vos réactions, hein, vos questions et tout et tout. Je viendrai rapidement à vous pour vous apporter de la lumière par rapport à tout. S'il y a pénombre, en tout cas, ce sera sans problème. Je ferai de mon mieux pour réaliser une nouvelle vidéo informative, explicative pour essayer de vous aider. Je suis là réellement, alors réellement pour vous, family. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Il y a tellement alors d'avantages que confère, on va dire, le VNG. On va dire, je vais en citer quelques-uns très rapidement. Là, le premier, c'est le fait de sortir de la Russie à maintes reprises avec le VNG, c'est possible. Le fait d'inviter ses proches, c'est possible. De émettre, on va dire, des invitations de visite, des invitations, on va dire, à une personne qui est dans un autre pays voulant venir ici tranquillement. Toi, tu peux prendre cette personne en charge avec la carte de résidence permanente, c'est-à-dire le VNG. C'est possible que tu le fasses. C'est possible de créer une société à toi, on va dire. Ton business, ta société à toi, c'est possible de le faire avec le VNG. C'est possible également de bénéficier, on va dire, des avantages qu'offrent un tout petit peu ces documents tels que l'assurance santé, donc l'assurance maladie. Il y en a tellement beaucoup. Je ferai également une nouvelle vidéo à votre demande, bien sûr, pour parler des avantages que confèrent ces documents. Donc, je pense que tout est bon, tout est clair carrément. Family, s'il vous plaît, réagissez, likez cette vidéo. Vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me le poser. Moi, c'est Rima Wété. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Très content d'avoir été de la partie. Ciao!